Yann, il y avait beaucoup de frustration après le match contre Amiens par rapport à la qualité de la prestation et le résultat. Là, ce soir, la prestation est tout aussi intéressante, tout aussi convaincante, mais il y a les 3 points. Exactement. Bah, en fait, on avait à cœur de revenir avec les 3 points. On était frustrés par rapport à la prestation qu'on avait faite samedi dernier. On avait fait une bonne prestation, mais on était sortis sans les 3 points. Et on avait à cœur vraiment de venir ici à Laval et de repartir avec les 3 points. À la mi-temps, vous êtes mené, après une première mi-temps au cours de laquelle vous avez eu beaucoup d'occasions. Alors, il y a eu de la maladresse, notamment sur la première. Il y a eu un manque de réussite sur le coup franc de Quentin. Vous êtes dit à un moment, mince, c'est, on a la poisse ou quoi? Non, on est rentré à la mi-temps et le coach il nous a bien parlé. Son discours il a été cohérent parce qu'au final, à la deuxième mi-temps, quand on est reparti sur le terrain, on était déterminé pour gagner le match. On a vu les points qu'on devait arranger. Le coach il nous avait prévenu avant le match, le match il allait être difficile, qu'ils allaient rentrer dans, ils allaient être agressifs, ils allaient venir avec beaucoup d'impact. Et en deuxième mi-temps, en fait, on est revenu avec un nouveau visage. On s'est dit qu'il faut qu'on aille chercher les 3 points, il faut qu'on joue notre jeu. Et nous aussi, il faut qu'on mette de l'impact. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans cette deuxième mi-temps avec cet impact-là et ça a payé. Et votre égalisation qui arrive très vite change aussi beaucoup de choses, hein. C'est vrai que ça change le cours du match. On s'est dit qu'en deuxième mi-temps, quand on rentre dans la deuxième mi-temps, il faut rapidement marquer pour pouvoir après remporter le match. Et le fait d'avoir marqué très rapidement en deuxième mi-temps, ça nous a encouragés et ça a changé le match. Honnêtement, des tribunes, je me suis régalé. Je me suis régalé à vous voir jouer. Est-ce que vous aussi, sur le terrain, vous régalez autant? Oui, nous aussi, sur le terrain, on se régale beaucoup. On commence à avoir des automatismes, on commence à tous se connaître. Il y a eu beaucoup de recrues, dont moi. On commence à beaucoup se connaître et on prend beaucoup de plaisir ensemble, à jouer ensemble surtout. Et après, les résultats viennent aussi, donc ça nous fait énormément de plaisir.